Quatrième étape, c'est d'avoir une voilà, d'avoir un script ou eh bien une page où vous avez votre script pour savoir bah, où vous allez. Voyez? Parce que surtout pour les personnes qui commencent, si vous ne savez pas bah, où vous êtes dans le processus de vente, bah, comment vous allez faire pour réussir eh bien, à savoir qu'est-ce que vous allez dire? Donc vous devez avoir par exemple un papier où vous avez tout écrit les processus de vente et bah, comment vous allez faire pour répondre à ces questions, quelles questions il faut poser et comment répondre aux objections. Donc ça c'est vraiment très efficace pour les personnes qui débutent et même les personnes qui sont expérimentées, il faut toujours, malgré le fait que vous connaissez, toujours avoir bah, de quoi savoir où vous êtes dans le processus de vente et quelles questions vous allez poser et comment répondre surtout aux objections.